Julien ? Oui ? Mais qu'est-ce que tu fais comme ça ? Qu'est-ce que je fais habillé comme ça ? J'ai vu Avengers et je me suis dit que voilà, j'ai un skate électrique et moi aussi je peux jouer au super-héros. Ah, ok. Bon, bah salut hein. Ouais. Salut. Bon, je crois les amis que je me suis un petit peu assoupi, je sais pas, j'ai rêvé que j'étais un Avenger ou un super-héros, je sais pas, mais... Ouf ! Ce vlog commence maintenant, c'est parti ! Bon les amis, je suis actuellement avec Lisa, que vous connaissez pas, puisque c'est ma nouvelle stagiaire. Bonjour Lisa ! Bonjour ! Ça va ? Est-ce que tu cautionnes ce qui se passe ? Je fais avec, quoi. Donc Lisa qui est en train de... Enfin normalement elle est chez Pee-wee pour apprendre la rédaction. Là t'es clairement en train d'apprendre la photo et la vidéo. Ouais. C'est bien quand même. Oui ouais. C'est bien. Tu préfères quoi? Fais gaffe à ce que tu dis. Les deux sont intéressants. Ouais c'est bien, c'est un bon réponse. J'espère que vous allez bien. Et bien quel début de vidéo. Putain franchement j'ai été inspiré puisque hier soir je suis allé voir le nouveau Avenger au cinéma et je dois vous dire que c'est une petite claque audiovisuelle. Franchement ça fait longtemps que j'ai pas vu un aussi bon film au cinéma. Voici, ça fait 2 semaines, je suis allé voir Ready Player One, le film de Spielberg, et je peux vous dire que là aussi c'était badass. Mais voilà, je suis un plutôt, on va dire, pas un grand fan de Marvel, mais j'aime regarder les Marvel, et là putain ça part de partout, donc je ne peux que vous recommander d'aller voir ce film puisque vous en prenez plein les yeux, genre tout le temps. Je crois qu'il n'y a pas une seule scène où il n'y a pas un effet spécial, pour vous dire. Les amis, petit détour par Now Coworking. Alors pour ceux qui sont là depuis peu longtemps, vous savez peut-être pas de quoi je parle. En fait, Now Coworking, c'est un espace de coworking. Donc c'est quoi? C'est un espace de travail, c'est-à-dire qu'on vient ici pour travailler. C'est parfait pour les freelances, donc pour ceux qui ont monté leur business et qui bossent de chez eux. Ça peut être des community managers, ça peut être des graphistes, ça peut être des influenceurs, ça peut être des youtubeurs, ça peut être n'importe qui. Donc moi je bosse ici et l'avantage de ce coworking, c'est qu'il y a 50 000 pièces différentes, dont un jardin d'hiver qui viennent de refaire. Donc attendez, je suis en train de regarder un petit peu. Putain, ça en jette, ils ont mis de la moquette, ils ont mis les petits jardins d'hiver. Bon, ça y était déjà. Pff, ça déboîte quoi, ça déboîte. Donc les amis, c'est ici que je travaille. Donc si vous voulez quelques infos sur Now Coworking, voir un petit peu ce que ça donne, etc., je vous mets un petit lien dans la description pour aller checker ce qu'est Now Coworking un petit peu plus en détail. Ah bah putain, c'est sympa hein. Très sympa. Bon, juste avant, je viens de recevoir un mail. Alors, les amis, c'est un truc de psychopathe. Je vous le lis. Bonjour Julien, je te confirme que tu feras partie des influenceurs invités par Nissan France pour assister en VIP à la finale de la Champions League à Kiev du 25 au 27 mai. Oh, ça va être ouf. Donc c'est, pour ceux qui sont pas très foot, c'est Real de Madrid contre Liverpool. Franchement, ça va être un gros match. Assister à une finale de la Ligue des Champions. Oh là 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 là. J'en avais déjà fait une il y a 2 ans, bah encore une fois avec Nissan, c'était à Milan. Pff, c'était ouf, c'est des émotions qui sont indescriptibles les amis. Donc je vais essayer de vlogger, de vous faire une vidéo mais qui tabasse ça. Race, hein, on va pas jouer avec les mots. Putain, il y a beaucoup de choses qui arrivent, il y a l'immersion PGHM, immersion pompier. Peut-être quelque chose avec les 24 heures du Mans, on est en train de voir ce qu'on peut faire. Il y a ça, il y a une immersion, enfin bref, il y a plein de trucs. Il y a des projets que je peux pas encore vous partager, mais les amis, je peux vous dire que cette fin d'année, enfin, on est à peu près le milieu d'année, cette fin d'année va être folle. Et puis il y a le mariage, tiens. Bon les gars, il est temps de partir. Et n'empêche, je souffre d'allergies intenses en ce moment. Et l'idée de ces lunettes, en fait, c'est pas si débile que ça. Il y a un petit style de Anakin Skywalker. Oh, Bella Ciao. Et ça, c'est quand même le pack ultime pour vlogger. Alors là, on a quoi? On a
le crâne 2, on a le GH5, le 818 grand angle, le micro, le vidéo micro. Franchement, c'est pas mal, hein. Eh, c'est hyper smooth en skate électrique, franchement. Bon, déjà, ça bouge pas de base, mais là, c'est une tuerie. Regardez, c'est smooth de ouf. Ah, je kiffe. Allez, on continue un petit peu le vlog, direction Croix-Rousse pour donner l'avant-dernier cours de l'année aux étudiants. Alors, depuis le temps, je pense que vous devez me connaître un petit peu. Vous savez que j'aime pas trop la théorie, bien que ça soit important. Aujourd'hui, on va plus faire de la pratique, c'est-à-dire que vous voyez le montage que j'ai fait ce matin quand j'étais en super-héros. Et bien, vu qu'on est en train de voir le montage vidéo, je vais leur donner les rushs et je vais leur dire, voilà, vous avez une heure pour me faire un montage avec les rushs de moi, de votre prof, en super-héros. Et vous devez mettre une musique badass, me faire rêver, etc. On va voir un petit peu ce qu'ils ont dans le ventre, on va voir si je les ai bien formés et s'ils sont créatifs. Donc, c'est parti, let's go! Bon, s'il vous plaît. Ça passe sur la chaîne YouTube. Alors, vu que c'est notre avant-dernier cours, aujourd'hui, on va travailler sur quelque chose. En fait, ce matin, j'ai fait des plans de mots en super-héros avec le skate électrique, une cape, etc. On a vu les bases du montage vidéo la semaine dernière. Donc, cette semaine, vous devez vous mettre par groupe de deux et faire un montage le plus badass possible en mode super-héros, etc. Grosse musique, gros son, etc. Donc, vous avez une heure, ok? Oh, putain, ça va être marrant. C'est parti. Je suis un super héros aujourd'hui et même je vole. Oh, ils m'ont tué. Alors voilà, bon, ce qui est bien avec la vidéo, c'est qu'on peut apporter de l'émotion. Et là, vous avez apporté de l'émotion, le rire, donc c'est bien. Après, au niveau de la réalisation, bon, ça peut être mieux fait. Ouais, c'est pas évident, mais je pense qu'il faut passer de iMovie à Final Cut, et là, vous pourrez faire tout ce que vous voulez. C'est pas mal, bravo. Moi j'ai trouvé ça bien. Attendez, on se calme s'il vous plaît. Moi j'ai trouvé ça bien, juste il y a des longueurs. Pareil, il y a des plans en fait. Par exemple, le plan où il y a la Pardieu derrière, il faut que ça soit smooth. Donc sur un plan qui dure 5 secondes, il faut garder les 2 secondes qui sont stables. Parce que ça bouge un peu dans tous les sens. Bon bah c'est bien, très bien. Je suis trop loin. Quoi, voilà. Est-ce que j'ai mis un femme du monde? C'est... faux. Non mais merci à tous d'avoir été... Merci. Et puis nous on se voit à Kiev du coup. Hein, on se voit à Kiev, hein. Salut. Il rêve. Ok les amis, c'est ce qu'on appelle un bon petit cours. Bon, je pensais que c'était mon avant-dernier cours à l'EFA. Au final, il s'agissait de mon dernier. Donc voilà, les étudiants, franchement, ça change sur un cours de storytelling vidéo. C'est pas que ça part en live, mais un petit peu. On a une relation hyper proche, mais franchement, moi c'est ça que... Hey ! Moi c'est ça que j'attends un petit peu avec les cours, c'est que voilà, j'ai pas envie de faire du traditionnel, j'ai pas envie d'être le prof blasant. Ah, on a encore monsieur Gilles Fabro, il va encore nous saouler. Là je les ai peut-être saoulés mais dans l'autre sens, en étant un petit peu trop moi-même entre guillemets. Bref, les amis, j'ai besoin d'un petit rafraîchissement dans direction le coiffeur et puis ensuite voilà, on verra ce qui va se passer. Allez, c'est parti. Bon les amis, il me fallait un petit rafraîchissement, c'est chose faite, petit coiffeur terminé. C'est bien pour l'été ça. Ok, bon, fin du vlog les amis, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, je vous laisse mettre un petit pouce bleu comme d'habitude. Abonnez-vous et on se retrouve dans une nouvelle vidéo dans à peu près 2 jours. Les amis, passez une bonne journée, à bientôt. Salut.